Bobby Kennedy est quand même loin derrière, et ça, c'est surprenant, on s'est fait prendre là-dessus 25, mais attention, il va encore se rattraper, puisqu'on est à 24 secondes de virage. C'est limite, très limite là-dessus. Le 4-4-4 qui est à l'intérieur et qui prend la pole. Attention au virage, il y a beaucoup de monde. Et Miss Virgo qui est premier là-dessus. Exactement, je présume que c'est Monahan. On voit que Martin, et là c'est le Rob Stevenson. Ça c'est une surprise qui bataille avec... avec Monahan dans cette course, c'est l'embarcation numéro 10 de Wet Spot qui avait connu des problèmes mécaniques là, en début de programme et là qui bataille avec le Miss Virgo. Regarde Bobby Kennedy se faufiler entre deux embarcations au virage et ça c'est incroyable, le rapport de Bobby Kennedy. C'est incroyable! Il est parti très très loin! Encore une fois, des problèmes pour le Wet Spot qui filait bien, mais là voilà qu'il est obligé d'entrer à l'intérieur à cause de problèmes mécaniques. Ah ben, ça l'est fait pour le Wet Spot et ça c'est dommage. Rob Stevenson. La Miss Virgo qui est toujours bon premier. La Kennedy qui est aux trousses, il a pris un mauvais départ, mais là, il est aux trousses du meneur dans cette course. Et il y a fort à parier que... Et là, Doug Martin est troisième. Et là, regardez la poussée de Bobby Kennedy. Assez incroyable. Et on va faire attention, ça, la marquation 66, là, qui est loin derrière, et quand même se tient dans le couloir extérieur. Bobby Kennedy, qui se rapproche dans le couloir du Miss Virgo. Bobby Kennedy sur une poussée, une forte poussée vers mon virage. Miss Virgo qui tire bon à l'intérieur. Virage très très serré, bien négocié par le Miss Virgo. Bobby Kennedy qui est côte à côte. Et bien lui de tous les instants entre et regardez-moi ça côte à côte. Miss Virgo. Et là, Michel, on nous a confirmé que c'est vraiment Marc Théoret qui est aux commandes. Marc Théoret, là. Tout un départ dans cette course. Ah ben, Marc Théoret qui est en feu. Il nous avait dit, donnez-moi mon départ et vous allez voir. Et là, Marc Théoret, qui ne s'en laisse pas imposer qu'une minute entre lui et Bobby Kennedy. Théoret qui négocie très serré le virage. Bobby Kennedy qui n'arrive pas à dégasser Marc Théoret. Encore une fois, côte à côte, et la Kennedy qui a quelques mètres d'avance, qui sont repris cette fois par Théoret. Incroyable, côte à côte, quelques mètres seulement de différence entre les deux embarcations. D'incroyables bagarres dans cette qualification. Théoret toujours à l'intérieur, près des bouées, bien négocié, sans arrêt, sans hésiter. On tourne, on vit, tout est beau, c'est parfait pour Théoret. À sa poursuite sans arrêt. Quelle course! On va nous confirmer dans quelques instants les vitesses. Alors, dernier tour, 108,4 km/h. C'est très rapide comme temps. Encore une fois, côte à côte dans le virage. L'erreur n'est pas permise en aucun temps. Les nerfs d'acier que ça prend pour piloter ces embarcations. Quelques mètres séparent. C'est deux embarcations. Là, Bobby Kennedy qui a ralenti. Qu'est-ce qui se passe du côté de Bobby Kennedy? Est-ce qu'on a lâché sous la prise? Dernier tour à faire. Mais quel nerf d'acier démontré par Marc Théoret durant cette course. Et Marc Théoret avec un ami Sebongo qui mérite un gros applaudissement. Nourri et chaleureux. Toi pour le Marc Théoret.
avoir des ratés au dernier tour. Dans le dernier virage, ça s'est ralenti considérablement et c'est le 33 qui arrive, troisième, Doug Martin, suivi de Diabo, et voilà. On a senti qu'il y a eu comme un ralentissement de moteur. Mais tout de même, quelle bagarre ces deux-là se sont fait. Incroyable, et on peut l'applaudir, Bobby Kennedy, là, qui est sans doute déçu, mais qui enfin, oui! Great race, Bobby! Alors, il s'est sûrement passé quelque chose pour qu'au dernier tour, soudainement, on a eu deux...